Salut tout le monde, c'est Nico363 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Ça sera encore un tuto aujourd'hui, un tuto de lumière encore. Donc en fait, ça sera un tuto lumière assez simple et surtout assez compact. On va appuyer sur ce bouton et il y aura la lumière qui va s'allumer. Donc et aussi il y a un autre tuto. Si vous avez pas vu, bah regardez la vidéo. Ça consiste à ça en fait. Là il y a un toit, on appuie sur le bouton et il y a une lumière qui apparaît. Voilà. Et on réappuie et ça s'enlève. Donc voilà. Donc si vous connaissez pas, allez voir la vidéo. Vous êtes obligé. Donc on va commencer. Donc on aura besoin d'une redstone, un repeater, un bloc de redstone, un piston collant et un bloc m'importe lequel. Moi j'ai pris une laine verte pour que ça se voit mieux. Donc on a notre premier bloc comme ça. Donc ce bloc là-bas il y a le bouton. Donc on va mettre une redstone sur ce bloc. On va mettre un piston collant qui pointe vers le ciel. On met un bloc comme ça et on met un bloc sur le piston. Ensuite on va prendre un repeater, on va le mettre ici et ensuite on se met en sneak, on met le piston collant et le bloc de redstone. Donc ensuite quand on a fait ça, on fait un bloc d'écart. On met un bloc d'espace et on met voilà comme ça et ensuite on va faire monter jusqu'au toit. Donc là j'ai déjà préparé la lampe. Ensuite on relie tout comme ça, tac, on met la redstone. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ben, on va faire comme ça. Juste avant on met un petit repeater pour que le courant il se remet bien. Ensuite on relie tout et c'est fini. Voilà, déjà donc c'est ultra simple. Donc vous êtes d'accord, normalement si j'appuie sur le bouton la lumière s'allume et après s'éteint, alors qu'avec ce système ça s'allume et ça reste et là ça s'éteint. Donc je vais vite fait vous expliquer comment ça marche si vous avez pas compris. Donc là c'est allumé la redstone est allumée et le bouton va activer en même temps ce piston, donc il va se lever et du coup juste avant qu'il se lève bah il y aura un tout petit temps pour que le courant passe grâce à ce bloc et du coup après il sera bas. Bon bref, ça c'est pas intéressant. Et comme il y aura un tout petit temps, bah le piston collant il aura pas le temps de reprendre le bloc de redstone. Il va le pousser mais pas avoir le temps. Et du coup après peut-être vous direz mais oui, mais on peut faire ça avec un piston pas collant. Sauf qu'avec un piston pas normal, après on peut plus reprendre le bloc s'il est là. Du coup c'est ça qui est spécial. Donc quand même c'est bien pensé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous le voulez. Donc voilà, je trouve ce système il est pas mal. Donc voilà, bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.